Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien. J'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. J'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide. Je ne vais pas rester très longtemps, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ah, si ça fonctionne! Youhou! Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien, les jolies bulles. On est deux, ouais. Alors, j'avais envie de vous parler. Je viens de finir une merveilleuse séance avec une merveilleuse bulle de lumière. Et puis, j'avais envie, voilà, de vous faire profiter du message canalisé de nos anges. Et en profiter pour vous parler un petit peu aussi, avant que les enfants rentrent de la ludothèque. Je vous raconte ma vie. J'espère que vous allez bien. Salut, Mame Jolie! J'espère que vous m'entendez bien. J'ai oublié de mettre le micro en plus. Salut à tous! Salut, salut, les jolies bulles! On va attendre que ça démarre un peu parce que j'ai l'impression que ça marche pas des masses. Et je vais en profiter pour mettre mon micro ici. Comment vont mes jolies bulles? Comment vous allez? Salut Agnès! Comment ça va, ma petite Agnès? Salut ma Véa! On voit que le chat marche. Tout à l'heure, il n'y avait rien du tout. Salut ma petite Jessica Shakti. Comment vont les olibules? Alors, du coup, j'avais envie de vous partager ce petit message. Alors, vous savez à quel point les relations amoureuses sont compliquées, entre guillemets, enfin, elles sont compliquées à notre niveau, dans notre dimension. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, qui se sentent désœuvrées, qui se disent « mais punaise, je vais finir toute seule » ou « punaise, je vais finir tout seul », etc. Donc forcément, ce n'est pas évident. Et puis nos anges et nos guides, ils ont toujours du mal finalement à comprendre nos relations. Parce qu'on est toujours en train de s'auto-saboter, on est toujours en train d'attendre que l'autre fasse le premier pas, et on se dit, mais finalement, si je fais ça, l'autre il va penser ça de moi, etc. Alors finalement, on est toujours dans un système de projection permanente dans les couples, et j'avais envie de vous dire, voilà ce qui était important, c'est vraiment de rester dans l'impulsion du cœur. Qu'est-ce que c'est que l'impulsion du cœur? C'est que si voilà, vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer le cœur, vous sentez vraiment qu'il y a cette harmonisation qui s'est créée en vous, ben, envoyez-lui un message, envoyez-lui un signe finalement de, voilà, de ce qui se passe en vous. Dites-lui tout simplement avec vos mots ce que vous ressentez, etc. Parce que c'est vrai que nos anges et nos guides ont du mal à comprendre pourquoi on ne prend pas les initiatives quand notre cœur nous parle. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile et très complexe finalement à comprendre depuis un plan lumineux. C'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est toujours en train de mettre le bouton mute là sur notre cœur et finalement d'être toujours dans des relations d'auto-sabotage, où on est toujours en train de projeter tout un tas de choses, tout un tas d'attentes parce qu'à l'intérieur de nous, ben, on a des carences, on a des blessures, on a des schémas. Des programmations négatives et finalement bah dans nos couples on est simplement toujours en train de faire l'effet miroir de faire non mais c'est ta faute, non mais ça c'est ta faute, moi c'est ta... enfin bon, bref, on s'en sort plus. Et j'ai envie de vous dire vraiment cultiver l'impulsion du cœur. Quand vous sentez que vous avez envie de dire quelque chose, bah, au lieu de dire ah mais non, si je lui dis bah lui finalement il va me prendre pour une folle, etc. Si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, bah dites-le. C'est super important. Pourquoi? Parce que si vous avez cette impulsion de dire je t'aime à quelqu'un, c'est que c'est le bon moment à ce moment parfait. C'est le bon moment pour lui de recevoir l'information. Alors oui, après l'autre, entre guillemets, elle n'est peut-être pas apte à recevoir l'information, voilà, de manière aussi, comment on pourrait dire ça, qu'elle n'est peut-être pas capable de recevoir sur l'instant,
Mais peu importe, en fait, dans ses énergies, elle avait besoin de l'entendre. Et dans tous les cas, vous n'imaginez pas à tel point, en fait, finalement, ces deux mots, je t'aime, l'impact que ça peut avoir dans les énergies. Et puis, ça peut vraiment semer une graine magique dans le cœur de quelqu'un. Et ça, c'est magique. Salut ma petite Sophie, j'espère que tu vas bien. Donc j'avais vraiment envie voilà, de vous faire passer ce petit message, de suivre l'impulsion du cœur dans vos relations. Quand vous sentez qu'il y a une connexion d'âme à âme, faites-vous confiance. Sachez qu'on a plusieurs âmes sœurs qui sont incarnées. Donc forcément, on peut en rencontrer plusieurs dans cette vie-là. Mais si vous sentez qu'il y a cette connexion, qu'il y a cette fluidité, mais que vous n'arrivez pas à comprendre, dites-vous bien que vous n'êtes pas fou ou folle. C'est une véritable connexion d'âme à âme qui s'est produite. Et si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Suivez l'impulsion du cœur, c'est super important. Parce que si vous ne la suivez pas, bah vous, voilà, vous vous mettez en dehors. Vous vous mettez en dehors des lois de l'univers finalement. Vous vous mettez en dehors de ce champ de vie. Et forcément, quand on se met en dehors du champ de vie naturel, bah on crée des blocages, on crée tout un tas de choses négatives qui n'ont rien à faire. Avec nous. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. Salut ma petite Carole, j'espère que tu vas bien et que tu vis bien le petit soin que je t'ai fait il y a 2 jours. J'espère que ça va bien. Salut ma petite Gwenola, salut Sandrine, salut Mimi Lily. Donc voilà vraiment pour vous partager ce petit message. Suivre l'impulsion du cœur, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, j'ai envie de dire c'est de l'amour. Hein. Amicale, amoureuse, tout ça c'est de l'amour. Suivez vos impulsions du cœur. Si vous ressentez que même dans la rue, vous avez besoin de dire à quelqu'un, vous allez bien, bah dites-le, peu importe finalement si la personne, elle vous connaît ou elle vous connaît pas. Suivez l'impulsion du cœur et soyez toujours dans ce flot constant, parce que plus vous allez être dans ce flot constant et plus vous allez générer cette énergie, cette aura lumineuse et plus vous allez attirer finalement les belles choses à vous. Parce que vous êtes dans l'impulsion du cœur, vous suivez votre cœur. Et ça, c'est super important. Salut Jacqueline! Donc voilà, pour ceux qui arrivent un petit peu en retard dans le live, voilà, j'ai juste dit quelques petits mots. Mais j'espère que cette petite intervention, salut Léon, vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez que, si vous avez des questions aussi en commentaire, dites-les moi. Et je vais pouvoir faire un prochain live avec vos questions. Parce que j'ai vu que vous avez bien aimé aussi le live sur les heures miroirs, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà. Salut Jamila. Je vais bien et toi, comment vas-tu? Donc voilà. Les jolies bulles. Suivre l'impulsion du cœur. Suivre ce cœur parce que finalement, c'est ce qu'on est venu faire ici. Et plus vous allez suivre le cœur comme étant votre propre boussole intérieure, et plus en fait vous allez rayonner, et plus vous allez attirer des belles personnes à vous, parce que vous êtes vraiment dans des vibrations d'amour, dans des vibrations du cœur, et quand on est dans ces vibrations, on attire plein plein de belles choses. C'est un peu comme les fleurs, quoi. Finalement, les fleurs, elles attirent les abeilles, elles attirent les bourdons, elles attirent tout un tas d'insectes, mais c'est un peu comme ça, soyez cette fleur en pleine éclosion. Et prenez conscience voilà, qu'il y a tout un tas de choses qui se passent et que les connexions, surtout en ce moment, on vit une période juste incroyable où finalement le taux vibratoire de la Terre augmente. Et forcément, ça amène finalement à tout un tas d'âmes sœurs, d'âmes cousines, d'âmes germaines, d'âmes jumelles, etc. Peu importe finalement, mais ça amène tout un tas de personnes à se reconnecter. Et ça, c'est chouette. Donc, continuez à suivre l'impulsion du cœur parce que c'est le cadeau qu'on nous a donné ici. Plein de gros bisous, les jolies bulles. À très bientôt. Belle soirée à vous.